Bonsoir à tous, nous sommes à Marseille, dans les tribunes du Stade Vélodrome. Au micro, bien sûr, il y a l'Argentin Omar Da Fonseca et moi-même Benjamin Da Silva. Et on se retrouve tout de suite pour ce match retour, comptant pour les huitièmes de finale dans cette compétition. Et l'affiche est belle, le match s'annonce sous les meilleurs auspices. En tout cas, l'optimisme du côté de l'équipe locale après ce bon résultat obtenu à l'aller. Le plan de jeu avait été respecté à la lettre. Le score reflète cette réussite totale. C'est parti, l'Olympique de Marseille vient de donner le coup d'envoi de ce match. Le centre vers la surface. Bien joué, bien présent à la tombée. Le haut de départ côté Rossonero. Fikayo Tomori avec Simon Kier au centre de la défense. Et enfin donc en attaque, Olivier Giroud. Et là il prend le dessus sur l'adversaire direct. Et ballon pour une frappe. Et le ballon vient se loger dans les bras du gardien. L'un des joueurs à surveiller aujourd'hui, c'est lui, c'est Under. Avec sa fulgurance diabolique, il est tout simplement sur les bases du record de buts marqués. Under peut-être. Facile dans les bras du gardien. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Balerdi. Jordan Veretout. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Un bon arrêt du gardien. C'est bien parti pour ce corner. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Ah, la menace planait, mais le danger est détourné. Giroud. Ah, c'est pour Salmakers. Olivier Giroud. Ah, la différence est faite. Ah, il s'est bien intercepté dans la surface de réparation. Un peu de liberté là pour l'OM sur l'aile. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est parfait. C'est imparable. On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et regardez cette conclusion, la reprise des volées en pleine course. Heureusement que personne ne la touche. Hein. C'est un missile ce ballon. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Le numéro 70, Alexis Sanchez. Brahim Diaz. Giroud reçoit le ballon. Jordan Veretout. Oui, bien fait ça. Et le tir part bien. Arrêt exceptionnel, le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. Un petit rappel valable pour tous les spectateurs aujourd'hui. En ce moment, tous les articles de la boutique du stade sont à moins 20%. Et c'est pour Jonathan Klaus. Sur toute la boutique, profitez-en. C'est récupéré par l'adversaire.
La faute. L'arbitre siffle. Coup franc à venir. Attention, il y a danger là. C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés. Il va pouvoir relancer son équipe. Brahim Diaz à la réception. Et maintenant Brahim Diaz. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et il y a un contre possible à jouer là. Et bien joué, il efface son adversaire. Une d'heure pour centrer. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on n'y est pas, donc c'est raté. Le pressing sur Théo Hernandez. Brahim Diaz. Ah, le contact sans faute. Salmakers. Brahim Diaz. Et oui, il est récupéré ce ballon. Klose reçoit le ballon. Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Et au final, ça ne donne rien. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Olivier Giroud. Le ballon pour Salmakers. Et voilà, c'est donc la mi-temps de ce match au Stade Vélodrome. Le retour des vestiaires est donc le Milan qui lance sa seconde période. Et voilà, un ballon bien intercepté. Il faut tenter sa chance. Ah, le bon réflexe là. Cornea. Ce n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Olivier Giroud. Le ballon finit dans leurs pieds. Ah, dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Grosse occasion, mais la défense parvient à écarter le danger. Ouais, bonne intervention, le ballon récupéré dans le camp adverse. Très bonne intervention dans la surface. Ah, c'est un ballon pour les gants du gardien. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Oh, attention à ce centre. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Et oui, c'est dedans! Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse! On revoit les images de ce but.
le dégagement est raté, la défense n'arrive pas à ressortir le ballon. À un moment, si tu ne sais pas, mets un pendu, tu fais quelque chose, ne reste pas comme ça à attendre. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Le numéro 70, Alexis Sanchez. Oh, il s'est bien servi. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Allez, bien frappé ce corner. Attention, c'est pas terminé. Allez, l'attaque adverse est finalement bien repoussée. Un bon contre à jouer peut-être. Et ce ballon est finalement intercepté. Olivier Giroud. Brahim Diaz. Simon Kier à la réception. Giroud reçoit le ballon. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Elle s'est captée sans difficulté par Paulo Lopez. Ballon rendu à l'adversaire sur la relance, ça pourrait profiter. Benacer. L'action se poursuit. Facile dans les bras du gardien. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Ah, la défense est battue. Le festival continue. Inarrêtable, indomptable. Ça leur fait 3 buts d'avance. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Et ça finit en 2 contre 1. C'est imparable. D'abord on fixe, ensuite on conclut. C'est parfaitement négocié cette séquence. 3-0, c'est le score suite à ce but. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Le centre vers Hünder. À l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé. Et la défense s'en sort. Le ballon change de camp. La puissance y était, mais pas la précision. Une bonne occasion, mais ça passe assez loin. Et un changement donc. Excellente intervention, ça sort en touche. Ismaël Benacer. C'est repris par l'OM. Ante Rebic. Benacer reçoit le ballon. La balle est interceptée. Caboré. Hünder la frappe. La frappe contrée, sans souci. Bien joué, bien présent à la tombée. Et encore 2 petites minutes de temps additionnel minimum. Ismaël Benacer. Le pressing pour empêcher la relance. Et ça joue sur Ante Rebic.
c'est la fin donc du temps réglementaire. Marseille remporte cette double confrontation et valide donc son ticket pour le prochain tour. Sur l'ensemble des deux matchs, il n'y a aucun doute sur la supériorité de cette équipe. C'est effectivement l'équipe la plus ambitieuse qui s'est qualifiée pour le tour suivant. Le score final en est la preuve éclatante.